Salut, me revoilà. Donc en fait j'ai décidé que je n'allais pas chercher Sian maintenant parce que comment dire, c'est assez compliqué, enfin c'est plus dur que les autres. Donc je vais d'abord prendre Terra où c'est plus facile. Il y a juste à vaincre Poonbaba encore une fois. Et comment? Après je vais prendre Go. Donc Go c'est facile, hein, vous verrez. Et Mog. Du coup, je prendrai le ruban parce que, en fait, comment dire, Sian, il est enfin là, il est pas juste dans la ville, il est derrière, si vous voulez. Enfin, il y a un passage à débloquer, vous verrez. Et bon, ça c'est compliqué. Donc, je vous rappelle qu'il y a la quête des 8 dragons à faire. Donc, faut détruire, enfin, tuer 8 dragons. Oui, on s'en doutait pas. Et donc, ces 8 dragons. On peut les tuer, mais ils sont partout dans le monde, disséminés un peu partout. Donc faut les trouver, mais c'est pas trop dur. Hein. Je crois même qu'il y en a dans la tour de Kafka, si je me trompe pas. Donc après, faut le faire et se barrer, etc. Donc la tour de Kafka, on peut y aller, on peut en sortir avec le sort Warp. Donc il y a ça, et il y a Doomguys. Alors Doomguys, en fait, c'est quand on est avec le dirigeable. Quand on vole, si on vole des fois, aléatoirement, il y a Doomguys qui nous tombe dessus. Donc c'est un monstre assez spécial, je vous l'avais dit. Il est assez spécial parce que comment dire, il fuit quand il lui fait trop de dégâts. Il se régénère pas quand on revient dans le combat. Enfin, si vous voulez, je lui fais une attaque, il se barre. Et si je rencontre plus tard dans le jeu, la vie qu'il aura perdue, bah elle sera encore perdue, quoi. Donc il est assez puissant, mais comme il avait beaucoup de, enfin, il se régénère pas, c'est sa faiblesse. Donc on peut le combattre en plusieurs fois, quoi. Ou jouer au moins comme un con. Non, c'est ça. Donc là, on va retourner voir Terra. Ouais, elle est où? Hop, on voit le chien, c'est fait exprès, vous allez voir pourquoi. Un passage secret. On a le droit d'une scène de ménage. Ah, mais qui est-ce? On se le demande. Bon. Donc là, ne pas hésiter, parce qu'on va lui. Il va pas comprendre ce qui va lui arriver. Hein. Donc même tactique qu'avant. Mis à part qu'en plus on a des persos. On a des persos en plus. Donc c'est pas la peine de lui faire faiblisseur parce qu'il a déjà une faiblesse. C'est le poison. Oh putain, pas ça. Il est vraiment faible hein, face à nous, il vaut rien du tout, je vous le dis. Il a beau faire des conneries dans le genre, ça fait rien. Là voilà, il nous fait une attaque spéciale. Qui nous garde les persos.
Et là, elle se transforme. On espère. Et elle en espère tout le temps. Je vous rappelle que sa magie est augmentée quand elle en espère. Et comme j'ai mis... Comme j'ai eu de la chance, quoi, j'ai... Il y a encore Céleste dans l'équipe. Donc du coup, ça nous fait... deux mages avec bio dans l'équipe. Il résistera pas avec deux bio comme ça, il est mort, hein, je vous le dis. Faire tout ce qu'il veut, ça sert à rien. Donc ouais, elle reste en espère pendant tout le combat aussi. Je sais pas si je vous l'ai dit. Putain de merde. Je peux pas faire. Hein. Et voilà, vous voyez, c'était pas trop dur. Dans tous les cas, si vous avez pas bio, je sais pas, démerdez-vous avec les soins. Hein. Parce que moi, je connais pas d'autres techniques que bio. Hein. J'ai toujours fait comme ça. Ouais. Ouais, ils la prennent pour un monstre, etc. Oui, ils l'appellent maman, hein. Je vois. C'est parce que bon, c'est un peu de leur mère, quoi. Et voilà. Donc ceci fait. On a plus le rythme. Oui d'accord. Bon on s'en fout, de toute façon on va sortir. Donc il n'y a plus rien à faire ici. Enfin je crois en tout cas. Ah, il y a des tombes ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un clin d'œil sur une tombe? Non. Bon voilà. Alors dans le vaisseau comme avant on peut changer l'équipe. Non on va pas la changer tout de suite. Vous allez voir pourquoi. On va juste se mettre. Voilà. On va aller dans le Velt. Alors bon vous, vous doutez qu'est-ce qu'on va récupérer dans le Velt hein. Vous connaissez toujours la même musique. Donc on peut revoir tous les ennemis, voilà comment.
sais pas si je l'ai équipé, tu vois, tiens. Ah, ils sont assez chiants ces ennemis là. Cannibal. Ah, ça l'a mis automatiquement avec les meilleurs trucs en fait. Je sais pas ce que ça fait Cannibal, tiens. Ça bouffe les HP ou. Donc, pour savoir, on est obligé de faire comme ça. Hein. Ah, ok. Ça tue. Ça fait plus de dégâts sur les deux mains. Ouais. Je sais pas si ça le fait sans Kafka, tu vois. Faudrait que j'essaie. Enfin, de toute façon, c'est pas la meilleure arme. Hein. Donc là, vous avez peut-être vu une grotte. Et cette grotte, justement. Ah, bah voilà. Voilà, il faut obligatoirement être 3 personnes. Sinon, il apparaît pas. Donc lui il était retourné dans sa plaine là. Et voilà. Donc voilà cette grotte, c'est là qu'on peut récupérer Realm. Enfin je vais vous montrer. Je sais pas si elle est longue la grotte, je m'en rappelle plus. Je crois qu'elle est pas très longue. De toute façon je vais me refaire une vraie équipe là parce que. Enfin là ça le fait pas trop quoi. C'est lequel qui était bien avant, je suis assez heureux. On va peut-être sortir de la grotte et aller me chercher un autre perso. Ouais. C'est ce que je vais faire. Voilà, là on entend un chien. Donc c'est Interceptor, bien sûr. Sans blague. Je crois qu'il vous la bouffe. Donc ouais, je. C'est pas la super équipe, mais bon. C'est l'équipe pas trop équilibrée, mais on s'en fout. Hein. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Première classe. Oula. C'est dégâts, donc. Ils ont plus de vie que je croyais. Tiens. Donc, faut dire que j'ai fait une équipe de merde. Ah, pas trop tôt. Je fais une équipe de merde, mais vu ce qu'il y a à faire dans cette grotte, c'est-à-dire quasiment rien. Je me demande s'il n'y a pas un boss en fait. Un Eudrage. Alors, ça, c'est pour un perso spécial, vous le verrez plus tard. Voilà, bah, là c'est pour ça qu'il faut prendre go. Voilà, ça veut dire qu'il faut pas être 4 dans l'équipe. Voilà, donc ça c'est un des 8 dragons. Ah, c'est pas un des 8 dragons, non, je dis une connerie. C'est pas un des 8 dragons. Le dragon druide par là. C'est un dragon dans une forêt. La forêt ressemble à une gueule de dragon d'ailleurs, c'est marrant.
Allez, je sors d'ici. Shadow sera pour plus tard. Donc. Ah, il y a ce ninja, il me le faut trop. Ouais. Putain, merde, il faut que je le soigne alors. Hein. Parce que là, il va s'en prendre plein, il est... Merde, j'ai même pas eu le sang. Mais quel. Mais je suis vraiment hein, le roi des cons. Hein. Je fais n'importe quoi. Quel con. Qu'est-ce que... Mais je fais n'importe quoi. Je fais soin que sur elle comme un con. Putain mais ça y va les conneries. Enfin, voilà c'est ce que je voulais faire, c'était bon dire. Bon j'aurais pas le temps quand même. Faudrait que j'arrête de faire le con hein. Parce que là je fais n'importe quoi. Ouais, je m'en fous. Ouais. Ah bah voilà. Bon je vais récupérer Go plus tard, vous savez quoi. Donc je vais me barrer d'ici. Et je vais aller autre part, vous allez voir. Faut pas que j'oublie de récupérer Go plus tard. Ça sert à rien mais je pourrais le faire maintenant mais bon. J'ai pas envie. Et ouais la forêt dont il parle en fait, c'est une forêt qui a une gueule de dragon. Il me semble qu'elle est par là. Non, elle est plus loin, elle est par là, je crois. On s'en verra un peu. Je sais qu'elle était peur. Donc, ça, c'est une maison qu'il faudra y revenir parce que c'est pour voir l'histoire de Go en fait. Donc, voilà, c'est cette forêt. On dirait pas, mais elle a une tête de. Elle ressemble à une tête de dragon. Ah, de. Dinosaure. Comme ça, ça vous paraît mieux. Enfin, on dirait un peu une tête de T-Rex. De profil. Donc ouais, je vous montrerai quelques secrets dans la prochaine vidéo. On va récupérer Mog aussi. Donc salut.